Je t'écoute, tu m'écoutes. Pow, pow. En train de roder un show ici à Montréal pour aller présenter 6 spectacles en France. D'abord, bravo. Merci. Et ça prend bien cool. Et tu vas rester là après ça quelques mois. C'est pas banal. Écoute, la différence entre le Sugar Sammy québécois et le Samuel sucré français, ça va être quoi? Ah, c'est une bonne question, ça. Écoute, ça va être la même chose. Ça va être un peu un miroir à la société. Puis je vais donner mon point de vue sur la société française, puis la même chose. Le ton baveux va être là. Écoute, mon opener, ma ligne, là, je vous donne un semi-scoop. Mon opener, quand je rentre sur la scène, je dis « Content d'être ici en France. Vous êtes mon pays arabe préféré. » C'est comme... On voit le ton tout de suite. OK. Ça reste la même. La meilleure défense contre les attentats terroristes actuels tels qu'ils sont commis, c'est quoi? La police. La police, c'est le renseignement. Bêtement. Bêtement, essayer de savoir qu'est-ce qu'ils projettent dans leur tête puis qu'est-ce qu'ils projettent en groupe. Et il y a une chose qu'on ne sait pas, qu'on ne saura jamais, parce que les organisations de renseignement ne nous le diront pas, c'est combien d'attentats terroristes ont été déjoués par leurs actions. Ou tout simplement que les terroristes ont eu peur d'être découverts puis ont dit « Bon, bon, on va passer notre tour, on ne le fera pas, cet attentat-là. » Alors, on ne saura jamais combien ces organisations-là de sécurité dissuadent des gens d'utiliser la violence. À chaque fois qu'on te voit en entrevue, bon, tu dis pas des niaiseries, mais tu as pris la bonne habitude de te fâcher. Tu pognes les nerfs sur quelque chose. Ouais. Tu as une opinion. Ouais. Puis je me demande, qu'est-ce que ça prend pour craquer un Serge de Noncourt? Pas grand-chose. Pour vrai? Non. Une bonne question. J'en ai pas eu, là, pour ça, pas, ce soir. Non, mais une question sur... Tu sais, dis, mettons, Nathalie Normando. Ben Nathalie Normando! Ben tabarnak, ça, c'est gênant. C'est-tu assez incroyable que le ministre Couillard, que personne bouge plus que ça? C'est gênant, c'est la mafia. Et je sais pas si elle va être accusée, ils vont trouver des preuves. Oui, mais bon, est-ce qu'elle va être mais c'est tellement gênant. Puis le gouvernement libéral fait comme si de rien n'était. Tu sais ce qui me fâche? Je suis dans mon auto, je crie après Nathalie Normando. Je suis dans la maison chez nous, je suis gêné. République de bananes. Je t'écoute, tu m'écoutes.